Lachaud, Tariq Boudali et Julien Routy. Donc on se retrouve au Cinépôle Sud de Basse-Goulaine. Donc pour l'avant-première du film Alibi.com 2. Donc Philippe Lachaud, première question. Pourquoi un Alibi.com 2 après le premier? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire un deuxième? C'est l'envie d'avoir envie. C'est le... C'est en fait, on nous le demandait beaucoup, c'est vrai, et on a mis du temps à trouver l'idée qu'on pensait être bien. Et quand on a trouvé cette idée, qui est cette idée un petit peu du mariage où mon personnage n'assume pas ses parents et du coup il fait un dernier alibi pour louer les services de faux parents, on pense que c'est une bonne idée qui peut bien être bien marrante. C'est comme ça que c'est venu. Alors justement, on parlait d'un dernier alibi, les alibis, on peut en trouver des tonnes. Oui. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un alibi.com 3? Ah, bah oui, c'est vrai que c'est un sujet qu'on peut étirer, décliner à l'infini. Donc, ça, c'est les spectateurs qui décideront s'ils sont nombreux et que à aller voir le film et que le film leur plaît. Pourquoi pas? C'est tard. Hein? Il y a de la bafouille. Oui, j'ai un petit peu bafoué. Au casting, on retrouve encore Nathalie Baye, Didier Bourdon. Mm. On retrouve aussi Gérard Jugnot, qui est dans le film aussi, donc qui fait partie de la troupe de Splendide, lui. On vous compare souvent à la troupe de Splendide, la bande à Fifi. Mm. Qu'est-ce que ça vous fait quand on le sait? Eh bien, ça nous fait plaisir. Ouais. Non, bien sûr, ça nous fait plaisir. Après, nous, on n'a pas du tout la prétention d'être comparable aux Inconnus ou à la troupe du Splendide. Pour nous, ce sont des gens extraordinaires qui nous ont fait donner envie de faire ce métier. Et voilà, après, c'est, bien évidemment, ça nous fait plaisir, mais je pense que c'est incomparable. La fidélité à Nathalie Baye et Lily Bourdon, comment vous expliquez aussi cette fidélité? Parce qu'on les retrouve souvent dans vos films. Parce qu'on trouve qu'ils vont très bien ensemble. Et c'est un super couple et ils s'éclatent en plus à jouer ensemble. Du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils veulent continuer à travailler avec nous. Et nous, on se prend aussi beaucoup la tête. On travaille beaucoup sur le scénario pour leur donner des scènes rigolotes et intéressantes à jouer. En tout cas, on a beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'on, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, on leur demandait dans le scénario d'aller assez loin, c'est-à-dire de se lâcher vraiment. Ouais. Mais et on a cette chance que ils rentrent dans notre délire et ils nous font confiance à 100% et on les remercie pour ça. On a beaucoup de chance. D'ailleurs, tous ces délires, où est-ce que vous les trouvez? Dans un Kinder Surprise. Est-ce qu'il faut... La drogue. Non, c'est pas vrai. C'est pas bien la drogue. Et ils finissent jamais. Point. Non, on écrit en fait, on est très scolaire, on se retrouve tous les jours et on écrit le film, des blagues ensemble et voilà. C'est comme ça qu'on trouve. Vous venez de faire des avant-premières en Vendée? Oui. Sable de l'Homme et l'Orange Furieux? Oui. Ah non, aussi là. L'accueil du public, comment il est? Écoute. Épouvantable. Non, mais alors, je pense qu'on est objectif en disant que l'accueil est. Il tue. Non, mais sérieux, c'est génial. Ah ouais, les retours, on a... Parce que t'as toujours peur quand tu fais un numéro 2 de l'effet déceptif. Et visiblement, là, c'est pas le cas du tout. Et du coup, on est super contents. Et la tournée commence. Alors, c'est que notre deuxième date. Hein. Peut-être que ça changera. Ouais, c'est ça. Hier, on était à La Rochelle. Donc, mais pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. Donc, on a beaucoup de chance que les gens nous suivent. Et comme ça, partout, c'est vrai. Dans le film, il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman et Simon Vé. Mmh. La chanson « J'irai plus là ». Mmh. Comment ça se passe pour l'intégrer au film? Est-ce que vous demandez l'autorisation? Gigi. Dès que tu entends une musique dans un film, tu es obligé de demander l'autorisation, évidemment. Donc là, l'autorisation a été demandée à Jean-Jacques Goldman, effectivement, et à Céline Dion. Je crois qu'elle doit aussi donner son accord, normalement. Ouais, c'est ça. Elle a dit oui, Céline. Elle a dit oui. Donc, on est content d'avoir cette chanson, parce que moi, je suis fan complètement de cette chanson de J'irai où tu iras. Donc l'avoir dans le film, ouais, c'est un gros kiff. À Lyon, vous y serez? Oui, on part à Lyon. Alors Tarek il repart chasser le zèbre dès la semaine prochaine. Et Julien, Elodie et moi, oui, on y sera. On part mardi à Lyon pour faire les répétitions pour les enfoirés. Ouais. Vous avez quelques petites anecdotes, quelques scoops à nous donner par rapport à ça? Par rapport à quoi? Aux enfoirés, par exemple. Aux enfoirés? Est-ce que vous avez des... Vous savez qui seront les nouveaux artistes présents? Je ne sais pas du tout qui sera là. Il y a un grand retour cette année.
le public. Et ça, ça va changer beaucoup de choses. Ça fait 2 ans qu'on faisait, qu'on enregistrait l'émission sans public. Et, alors après, c'est ça qu'il y avait. Il y avait quand même une énergie particulière, mais assez, assez chouette quand même. Mais là, le fait que le public revienne, je pense que ça va être incroyable. Ça va être, ça va être top. On a vraiment hâte. Je crois que la chanson, elle est écrite par Amir. La nouvelle chanson, ouais, ah ouais, ouais, ouais. D'accord, donc je t'apprends rien du tout. Ok. Bah dommage. Ça va peut-être faire... Les enfoirés. Ça va peut-être être ça. Ouh. C'est pas la première fois que vous venez à Nantes, ni en Vendée d'ailleurs. Est-ce que vous auriez un mot à dire à vos fans? Nantais, tu veux dire? Nantais, Vendéen, oui. Bah, c'est une région qu'on a énormément, c'est vrai, à chaque fois. C'est cool, les gens, ils ont une bonne énergie et tout ça. Après, je dis pas que dans le reste de la France, ils ont pas une bonne énergie, mais c'est vrai que... Ça voulait dire un peu ça. Non, je précise, du coup, en fait, là, franchement, les gens sont très cool, ils ont, voilà, ils ont le smile et... Ouais, ouais, non, c'est vrai, l'accueil est hyper chaleureux ici. On adore venir à chaque fois quand ils nous disent, bon, on va, voilà, dans les villes du coin. Ouais, c'est un kiff, c'est un kiff. Vive la Vendée! Vive la Vendée! Vive la Vendée!